Shit. Half the Ishimura's in the red. She can't escape her fate. But who can? Ok, le réacteur maintenant. Mais je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas à ce que la salle explosait. Et au final, maintenant que j'y pense, à part la c'était la centrifugeuse, c'est ça? Il y avait un truc qui m'avait... Je me rappelle même plus contre quoi je suis mort. Je pense que c'était à cause du décor la première fois. Oui? Oula, mec! Te touche pas quand il y a du monde! Erreur, porte obstruée. Ah ah! Y'avait pas un soin là aussi? Non, c'était ça. Armurerie. Poste de combat. Toutes les armes, elles sont quoi? Toutes les armes, elles sont quoi? Elles sont sorties. Ah bah c'est pour ça qu'ils se sont... Ils ont pas réussi à se défendre. Si elles étaient tous en boîte. C'est bon? Il est de l'autre côté de la porte, ce con, lui. Oh non, non, je les ai tous eus. Ok. Bah, en vrai, sur ce plan, le casque est badass. Mais en fait, ça ressemble un peu trop à un crâne, un squelette. J'aime pas, j'aime pas. Bah forcément, forcément, c'est des munitions de fusil d'assaut. Que forcément, c'est des soldats. Ils ont pas de cutter plasma, mais plutôt des armes. Et que des fusils d'assaut. Peut-il ? Oh oh. Beaucoup plus solide, hein. Genre beaucoup, beaucoup plus solide, hein. Va falloir augmenter vraiment ma puissance des armes. Et j'ai déjà presque plus de stase. J'en ai récupéré un peu au pif comme ça. Ah non. Ça, je peux faire ça, comme ça au moins c'est clair. Présente à tes ennemis ton ami, le fusil d'assaut. Oh ouais, ouais, je suis assez d'accord. Ok, c'est par là. Vers l'infirmerie.
t'avais pas dit d'arrêter de te toucher. Ah non, c'est vraiment par là, putain de merde. Ah, t'es mort, ça y est. Oh, mais je dis ça en plus. Pas de tir. Danger. Exercice d'évacuation. Incendie. En cours. Ok. C'est pas un exercice, mec. Oh, mais putain. Ah d'accord, et ça c'est la récompense du mini-jeu, il y a encore un mini-jeu. Oh! Ah d'accord, c'est un C'est comment ça s'appelle, c'est un laser tag. Un laser game. Ok. Intéressant, c'est pas juste tu tiens l'œil et t'attends que les trucs y pop. Mais ça me donne une arme ou comment ça se passe? Shooting range online. Caution. Live fire exercise. Ce serait trop marrant qu'il y ait un nécromorphe qui pop maintenant. Fuck. Fuck! C'était une blague! C'était une blague! D'accord, j'avais plus assez de cartouches. Armure. Recharge. Droit vers l'ennemi. C'est pas ce que ça veut dire. Survivez au pas de tir. Please contact maintenance. Bande de fils de pute. Bande de fils de pute. C'était vraiment intéressant. C'est... Ta gueule. C'était vraiment... J'adore le concept. Hein? Mais je suis quand même un peu... frustré qu'on puisse pas faire le truc parce que ça avait l'air fun. Fallait bouger tout ça. Mais le coup du... tu penses que ça va être le mob de... Le stand de tir comme dans l'original? Et justement tu te dis... Franchement, tout était bien fait en fait. Tout était bien fait pour te faire avoir. Tu vois les casiers, tu te dis juste c'est les niveaux différents à remplir pour avoir un casier qui s'ouvre à chaque fois. Mais en fait non, boum, c'est une salle piégée avec des nécromorphes. Vraiment c'est astucieux. J'ai essayé de balancer en fait une boule ouais, avec ça, sauf que j'avais plus assez de cartouches. Ah, par contre j'en utilise de la stase. Hein. Ça pour sûr. J'ai une recharge au cas où. Ah ouais, mais donc en plus j'avais vraiment utilisé mes ressources à moi avec le cutter plasma pour détruire les trucs. Hein. Et c'est en fait c'est quand j'ai touché celui-là et que j'ai touché la vente derrière, c'est là que je me suis dit, eh, ce serait putain si d'un coup en pleine épreuve il mettait des nécromorphes. Ok. Taz. Point de force. Ah non, mais c'était cool. Hey mec, t'aurais dû venir avec moi, c'était... On a vécu une expérience.
J'allais dire. J'ai hésité, hein. Je me suis dit, l'original il crève, mais là, est-ce qu'il crève? J'ai vu ça, je me suis dit, attends. Oh, ça c'est génial, ça. Plein de grands kits de soins, marchandage. Collecter tous les plans. Ah, ça c'est bien, ça. Arrête! Pas de make us wall, arrête! J'aime pas ça! Ok. Alors, j'ai du soin, mais j'ai pas mal de soin en vrai. J'ai de la stase, j'ai des ressources. Fuck! Non! Putain de merde! D'accord, c'est bon. Arrête de bouger! Arrête de bouger! Oh snap! D'accord, quand tu les touches à un certain niveau, c'est... D'accord, tu peux faire exploser leur module de stase. J'avais déjà compris ça, mais je pensais que c'était que quand ils crevaient. Non. Non. Mais je suis pas encore assez à l'aise pour identifier à quel point je peux... Où est-ce qu'il faut que je tire exactement? J'imagine que ça doit être un peu comme moi sur mon épaule. Un monde qui commence à perdre la boule. Attends. Oula! Qu'est-ce qu'il y a ici? Je partirai pas sans les ressources. Elles sont à moi. Elles sont toutes à moi. Mon précieux. À moi. C'est pas une veine ça, on est d'accord. Beaucoup de trancheurs, pas mal. Je suis pas contre. Mais il va falloir augmenter la puissance du trancheur. Moi ça me titille du mauvais côté, pas de la bonne façon quand... D'accord, cette électricité. Quand je tire sur les jambes et que ça les coupe pas d'un coup. Genre ça me plaît vraiment pas. Ok. Est-ce que j'ai rien oublié? Non! Progrès. Trois équipes, une mission. L'équipe de navigation, les armes et l'ingénierie. Bah comme quoi, je me sens pas perdu. Parce qu'au final, est-ce que je suis pas un peu un ingénieur nucléaire après avoir géré l'ogive? Zone de chargement. Fucking. Ah, c'est le pote qu'ils ont récupéré, l'ont vert. Il y avait que trois mecs. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est parti en couille très vite. Il y a trois mecs sans armes. J'ai pas écouté ce que t'as dit. Je me demande si dans l'original il y avait ce détail que j'ai vraiment pas remarqué. Parce que là c'est tellement mis bien en évidence.
Ok. Il y a des pièges potentiels à la surface. Oh ! Non, ils l'ont pas transformé cette pièce. Si tu veux. Oula. Ah si, putain de merde. Ah si, d'accord. Ah ok, ils ont rajouté beaucoup de choses. Ah c'est pas juste... Ok ok, là ça va être dangereux. Ah oh, d'accord, c'est clairement ici. La méga fête c'est ici. Ouais, let's go. Je les ai eus. Pas mal. Le sol. Oh snap! Vise le sol. Vise le sol. Il est pas mort? Maintenant. Arrête de bouger. Oh fuck, c'est quoi là-bas? Plus de stase. Est-ce que c'est un gros? Oh, c'est un gros, c'est encore pire! Ok, prends sévère, hein. Fuck, je les ai activés. Maintenant. Bon, il prend cher quand même. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi? Par contre, il a pris cher sur ça et après cher sur ça, ok. Là, c'est la stase qui a gagné. Ok, ok, ok. En vrai, c'était moins horrible. Je m'attendais à beaucoup plus de monde. Oh, c'est un cul, ça. C'est quoi? Attends, j'hallucine ou c'est vraiment ton trou du cul? C'est ton ventre? Oh, non. Oh, non. Oh. Va faire ton OnlyFan ailleurs. Pas chez moi. Je savais pour la stase sur les murs, mais j'avais peur de trop m'avancer et de rencontrer des trucs qui n'allaient pas me plaire. Je savais que j'en avais dans mon inventaire, autant jouer safe. Voilà. Wow, on se calme. Je me doutais qu'il y avait des ressources aussi pour continuer, mais vraiment. Sûrement pour le retour. Vers la salle des moteurs. It wasn't just a nuke. They came loaded for war, seek and destroy. This was no patrol. They knew about the Ishimura. Someone knew. We were all dead from the moment we arrived. J'aime bien comment il continue à pop comme ça à l'oral. Ah! D'accord, c'est un truc explosif, ça.
Ok, ils sont petits. Ils sont vraiment tellement petits que tu les vois presque pas. D'accord, c'est pour ça qu'ils explosaient à chaque fois. C'est faut le voir. Surtout quand t'es habitué à l'ancien modèle. Genre vraiment la bonbonne longue et grosse. Là, c'était un peu isolé. Enfin, pas camouflé, mais voilà. C'est comme ça qu'on range. Voilà, attends, y'a rien là derrière? Non. Ok. Je commence à être vraiment plein, mais à cause de choses qui me sont inutiles en fait. Ça, les trucs à vendre et les munitions de mitraillettes. Et j'ai un plan aussi pour le grand kit de soins que j'avais pas. Je suis étonné, je l'avais pas. Ouais, si tu veux. Attends, y'a plein de trucs là. C'est pas là que tu cacherais une connerie? Non? Oh, ce plan avec la lumière était quand même beau. Oh, comment ça clignote? Moteur. Ah. C'est quoi qui a fait ce bruit? Il y a eu un autre bruit avec moi. Et quand je me rapproche, il y a ma manette qui a commencé à vibrer. Ah, d'accord, c'est pour ça que ça vibre. Mais attends, mais si j'ai affronté la brute là, qu'est-ce que je vais affronter dans la salle des moteurs? Un peu la merde ici. Alors, accès à la salle des machines. Salle des moteurs plutôt. Attention. N'entrez pas dans la chambre de combustion quand le moteur est opérationnel. No shit, Sherlock. Mais de toute façon, d'après Hammond, vu que je suis ingénieur, je peux tout faire. Des trucs en bas, je les vois là-bas. Est-ce que ça marche, ça? Non, ça marche pas. Ok, j'ai compris comment ça fonctionne. La stage, ça a une mauvaise réaction avec le feu. C'est intéressant, j'aime bien comment ils l'ont implémenté. Il faut que je fasse ça. Ok. Je l'avais pas vu. C'est ma faute. Je mérite. Non, ça. Voilà. Ça suffit pas, on est d'accord. Eh non, je vais me faire cramer hein, si je passe. Hein. Faut vraiment que l'éteint. C'est pas mal, je commence vraiment à réaccumuler des munitions de cutter. J'avais pas vu ça. Là, j'ai un peu de tout. J'ai pas énormément, mais j'ai un peu de tout.
Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Beaucoup de bruit, mais c'est normal. Disjoncteur. Système d'extinction incendie. J'ai 2 points ascenseur. Il pensait vraiment... Il pensait vraiment que j'allais enlever le feu d'abord. Et j'ai instant, quand j'ai vu qu'il y avait 2 barres, l'ascenseur et le feu, je savais qu'il y aurait des nécromorphes. D'abord les ascenseurs. Ouais, ouais, j'en étais sûr. C'est quoi ce bruit? Débile. Oh merde, ça monte. Je pensais que ça descendait. Oh attends, ça monte. Non, redescend. Bon, une fois, l'original, ça descendait. Oh, oh, wow. Heureusement que j'ai oublié les trucs en bas. Heureusement, sinon j'aurais loupé ça. J'avais pas vu le point de force. Sur le moment, j'étais préoccupé à cause de ça. Le feu. De savoir si je pouvais le bloquer ou pas. Wouh. Et de 1. Et de 2. Et on vérifie une troisième fois pour être sûr que j'ai rien oublié. Nope, on se barre. Par contre, il est où, Amande? Enfin, je... Si là, il y a eu la brute et tout ça, il y a une deuxième brute? Parce que là... Vu comment les moteurs sont faits... Vers le pont supérieur... Unknown biohazard detected. Lockdown initiated. Fuck. Another malfunction. Athia Shimura's in the red. What? Someone get the door open. Chen? What did that thing do to you? Help me get him to the Kelly. Gotcha. Shoot him! What? Shoot! Chen? No. Helmet! Fuck. Par contre, j'aime bien comment l'aspect peur. Pas peur, mais il devient fou. Il pensait le voir bien. C'est comme Harris, il y avait un truc, une notion, je voulais le mentionner, mais il y avait un autre truc qui avait popé sur le moment. C'est Harris, quand il a tué l'infirmière, il voyait pas une infirmière. C'est ça le truc. Alors nous, est-ce qu'il y a des nécromorphes qu'on a tués, qui en fait n'étaient pas des nécromorphes? Tu vois, genre des nécromorphes qui étaient pas si agressifs que ça, qui marchaient doucement vers nous, genre pour nous dire, baissez votre arme, je suis gentil. Et qui en fait étaient un humain. Et que nous, on voit un nécromorphe avancer lentement, on se dit juste il est con et on blast. Tu vois, ce genre de petits trucs. Arc. Bon bah... Fuir le SM Valor, bah pourquoi? Ça fait un moment, ma petite. Oh my god. Ah d'accord, pour ça. Ah, fuir. Attends, faut que je lise l'objectif. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. C'est bien ce que je craignais. Retirer le réacteur du Valor a déstabilisé le réseau électrique. Tous les systèmes principaux sont en train de lâcher. Il faut que je dégage d'ici.
Oh shit, ça va exploser. Warning. Primary systems failure. Mais là en plus il y avait du lore avec Shen et tout ça, c'est pas mal. Ouh l'ascenseur. Sors de cet ascenseur avant qu'il crève. Where the fuck am I? Pas compris hein. Je suis roleplay, je fouille pas la cafétéria. J'ai vu quelqu'un là-bas. Je suis pas sûr. Heat exchanger offline. Je suis pas sûr. Critical overload in main electrical grid. Sors de là. Oh non, pas dans l'espace. Isaac. Ok, l'antenne. Kendra? Isaac, come in. I'm here. Fuck, that was close. Chen, Johnston, now Hammond. And I'm tracking movement from the Valor. I think some of those mutated soldiers made it on board. What about the Valor's Singularity Core? It's covered in blood, but I got it. God, I hope Hammond was right about that shuttle. He said it was on the crew deck, along with every unitologist on the ship and their marker. You need to... Wait, someone's opened the door near the bridge atrium? It'll get you to the crew deck, but who's left with that kind of clearance? Isaac, something's up. But we have to get that shuttle. For God's sake, be careful. We're all that's left. Ouais. Par contre, ça part en couille, hein, niveau contamination ici aussi. Ça part en couille partout. Alors... gérer le réacteur de l'USM Valor. Une fois que je l'aurai installé sur la navette qu'Amanda a trouvé, on pourra partir d'ici. Ah, Benson. Ah oui, aussi. Yay! On est revenu à bord de l'Ishimura. Attends. Putain, c'était quoi que je voulais faire exactement? Mais, trouver le rig de Rousseau. Ça, il était depuis le début, il était là? Ah, c'était une porte niveau 3 à l'ingénierie. Ah oui. Bah, de toute façon, j'aurais jamais pu avoir Benson, vu que maintenant, il vient de se débloquer. La passerelle a été débloquée, c'est la porte qui était bloquée ici. Et là c'est fait, ok. On va à l'ingénierie. Oh, c'est un nécromorphe de merde. Je réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire?
Il regarde. Attends, c'est moi ou ça? C'était pas là avant aussi? Attends, je suis incapable de dire s'il y a des trucs qui étaient là et qui sont plus là. Ok. Alors, inventaire. Tout ça, il faut que je trouve un truc. Maintenant, l'objectif, ça va être le passe-partout. Ça va être clairement le passe-partout. Donc, d'abord, ingénierie. Et après, la passerelle. Par contre, j'ai peur de voir à quoi ressemble l'ingénierie maintenant. Ça fait un bon bout de temps que j'y suis pas allé. Ok. Ah non, en vrai, non. Je vais d'abord prendre finalement... Finalement, je vais quand même prendre d'abord le rig de Benson et après je vais aller à l'ingénierie. Vu que en fait je suis encore sur la passerelle. J'avais oublié ce petit détail. C'est dommage aussi qu'à bord du Valor, il n'y avait pas le mec sur le plafond, ou peut-être que je l'ai raté. J'ai des points de force. J'ai 7 points de force. Oui. Attends. Vu qu'il y a ces connards qui se sont ramenés à bord, il faut que clairement j'augmente mes armes. Recharge. Cadence de tir. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Maintenant, pas le choc laser, le trancheur. 3 points, allez. Voilà. Parfait. Vitesse du projectile. Ah, c'est pas ça exactement ce que je veux. Ensuite, choc laser. Hop, 1 point. Dégâts du tir principal, ça il le faut. Tu sais quoi? Voilà, je vais acheter un point de force au cas où dans le stand. Enfin, dans la boutique. Mais le trancheur, j'avais besoin de ce point de force, ce point de dégâts en plus. C'était nécessaire. Oh, attends! Attends. Petit détail. Attends, j'avais ramassé un truc dans les zones culture. C'est un truc qui a directement amélioré ma stase. Maintenant que j'y pense, il y a un truc en plus sur mon dos là. Ça. Je pense pas qu'il était là de base. Et... Ah oui, mais attends, mais c'est pour ça aussi que quand je balançais de la stase, je crois que ça faisait exploser les trucs aux alentours. Je suis pas sûr. Je veux dire, j'avais remarqué tout ça, mais... J'avais pas vraiment prêté attention. Parce que je pensais que c'était un truc qu'il fallait mettre sur l'établi et améliorer après. Voilà, c'est ça que je disais. Par contre, le lanceur de Chimera qui part en couille. Hein. J'ai pas compris le début, donc j'ai pas compris la fin. Ok, ça se passe. Tu vois, c'est pas un truc à acheter ici. Lance-flamme, découpeur. Ah non, c'était un truc, ouais, directement qui s'est mis sur mon dos, en fait. J'ai pas trop prêté attention.
De toute façon, j'imagine que je le verrai en montage. Putain, là par contre, j'ai les couilles pleines. Là par contre, j'ai les couilles pleines. Voilà. Voilà. Et je pense que je suis bon avec ça. Le Rick de Benson est par là. Ouais. Clairement par là. J'imagine que pour aller sur... Je vais peut-être aller d'abord au quartier d'équipage. Parce que quand je vais arriver au quartier d'équipage, j'aurai la possibilité de débloquer le trap, comme à chaque fois. Vitesse de la lumière. D'accord, c'est du chocolat. Ouvrez pas cette porte, encore une fois. Eh ouais, ça c'est le tram, on voyait de l'autre côté. Ils ont essayé, hein. Ils ont essayé. Oula. Et là, j'ai moins point de force par terre. Ok. La porte, elle est là. Ouais. Ok, ok. Huh. Quelqu'un a perdu la jambe? Enfin, j'ai dit ça comme si c'était pas... Je veux dire, comme si c'était un truc que tu pouvais perdre, quoi. Ça a pleuré. Ouais, dit comme ça, j'ai l'impression d'être un sadique. Oh, se sent tellement puissant quand ils remettent juste les mobs de base. Tu te sens tellement puissant quand tu leur tires dessus après. Ok. L'ingénierie maintenant. Et je me rappelle aussi sur là où on est arrivé avec le Kalion, je me rappelle aussi qu'il y avait des caisses de niveau 3. Il faisait ultra sombre et j'avais pas encore bien géré la luminosité. Ici aussi d'ailleurs il fait sombre, putain. J'ai pris le point de force? Ouais. Attends, mais ça veut dire que j'ai 3 points de force là. Ah mais non, j'en ai acheté qu'un. Attends, quoi? Ah mais non! Ah, c'était pas un point de force. Chouch. Est-ce que c'est pété ou c'est moi qui perds la boule? Mais... Non, non, oui, oui, je sais, c'était le rig. C'était le rig, pas un point de force. Bah, dès que tu commences à te sentir un peu à tes aises, on va dire, hein, pour ce que c'est, pour ce que ça vaut, à bord de Ishimura, d'un coup, ça... Ça step up, hein. Ça augmente le niveau. Il est vachement en évidence cet établi. Pourquoi? Je fais pas confiance à cet établi en fait.
Mais bon. Ça, c'est fini pour l'instant. J'ai 2 points. Je pourrais aller jusque là. Ça ferait du bien. Et ça, c'est quoi? Augmente la taille du projectile du tir secondaire. Voilà. Faut que je lâche l'habitude de garder un point. Voilà, content? J'ai dépensé mon dernier point. Ok, ça pop pas. Isaac, I'm losing you. Something on the crew deck must be interfering with the signal. I can guess what that something is. If the marker's active... Shit! The crew deck is locked down, but the deck supervisor might have an override key. The last location I have for her is the gym. How long will it take to install the singularity core on that shuttle? Not long, if no one tries to stop me. Hurry! We can't leave the marker in their hands. Qui est clairement un survivant. Trouver la clé du pont d'équipage. J'ai le réacteur de la deuxième valeur. Une fois que je l'aurai installé sur la navette qu'Amanda a trouvé, on pourra partir d'ici. Daniel dit que le pont d'équipage est verrouillé, mais il devrait y avoir une clé dans le gymnase, pas loin d'ici. D'où venaient les cris? Ça a l'air clairement au-dessus en fait. Ouais, il y a aussi un autre truc. Fuck. En vrai, je vais peut-être le refaire. Attends, je suis trop curieux. Je suis vraiment trop curieux. C'est con comme détail et je l'ai vu, mais je pensais pas que ça me cacherait la vue. De toute façon, c'est juste là. Voilà. Ça fait pas peur. J'ai pas peur, jamais GPK. J'ai quand même regardé. Ah, j'aurais pas dû revenir par là. Je le savais. Je savais que la prochaine fois ça aurait été... pas une partie de plaisir. Elle est pas mort! C'est l'autre qui a fait popper son truc, ok. Quand j'ai vu l'argent popper, j'ai cru que c'était le petit. Ah, oh, oh! Je l'ai eu au vol. Respect. Bah, par contre, je suis plein de sang. Ok. Je parie que ça va être un détail à la mou. J'ai cru que c'était un truc par terre qui bougeait avec le bruit. Mais je parie que ça va être un détail à la con. Non! Non, fuck! Le tram bouge avec toi. Il y avait un truc sur le mur avec le dessin du monolithe. Voilà. Il y avait ça sur le mur et c'était en rouge. Il était marqué un truc. Vous pouvez revenir en arrière, moi je le regarderai en montage. Mais je pensais pas que le tram allait le cacher. Ah mais après je peux le voir là. Ouais mais non mais c'est flou. Pourquoi je suis là et quelqu'un d'autre a écrit dans une autre police d'écriture tu as été choisi? Y'a quelqu'un qui a rajouté ça? Ça c'était pas là ça tout à l'heure si?
Bon. Y a rien ici, c'est juste une machine. Je vais pas aller là-bas. Je vais retourner à l'ingénierie. Voilà. On va se prendre un jumpscare, un screamer, ce que tu veux ici. Je te l'ai dit. Libère-toi-même. Libère-toi, mais dans le sens free yourself, je pense que ça veut dire couper ses veines. Dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est dans ma tête, ce que je vois là? Altman est avec vous. Je vais sélectionner ça comme ça, ça va être plus rapide. Suivre l'objectif. Ah d'accord, c'est de ce côté-là. Mais il y a un truc qui est marqué là, c'est quoi? Non, ça j'avais déjà lu ça. Il y a quelqu'un qui a marqué son nom sur le siège. Il a littéralement pris au sérieux le... Il y a ton nom sur le siège? Non? Bah voilà, c'est pas à toi. Je peux m'asseoir là. Le mec a littéralement écrit son nom, quoi. Sinon. C'est dans le même étage. Ok. Faut que je repasse par la salle des ventilations, des ventilateurs. Et en vrai... Oh putain, j'ai vu le passe-partout là-bas. Je vais juste aller chercher le niveau 3. Parce qu'il y a clairement des caisses d'habilité... de passe-partout, j'appelle ça habilité. Mais de passe-partout. Et je reviendrai dans tous les cas ici. Tu vois, les corps ont disparu. Ils ont laissé ça, mais les corps ont disparu. C'est réutilisé pour terraformer le vaisseau. On se met bien. Putain, en vrai, vu tout ce que je dois faire pour avoir tout ce que je dois faire pour avoir juste le passe-partout, j'imagine que c'est les améliorations des armes. J'imagine. Un truc qui vaut vraiment la peine. Ah oui, ici. J'ai cru entendre un nécromorphe. Attends, je suis vraiment en train de péter un câble là ou comment ça se passe? Il y a un truc qui est passé, hein? Genre, j'ai cligné des yeux en fait au même moment. Et la façon dont... Non mec, attends. S'il y a vraiment un truc qui va se prendre un coup de... Mais ça a été dégagé. Avant, il fallait que je me... C'était serré. Ok. Ouais. Mmh.
Engineering log. Chief Engineer Ariel Rousseau reporting. Centrifuge maintenance is... Oh, what was I saying? On dirait une YouTubeuse. I haven't slept right since they brought that marker on board. I'm a little, the only thing I remember clearly is that engine inspection. I went into the chamber, and instead of the primary engine, there was... It was a heart. A heart the size of the room, just... pumping and pumping. Then Henderson said something, and when I looked back, it was a machine again. But I can still hear that pumping in the distance. It's almost peaceful. Could that help me sleep? Oh, if I can get close enough. Yeah. Go right inside, maybe, where it's warm and dark? Ooh, yeah. That makes sense. Ouais, il est temps de partir. Il est temps de se barrer. T'as vraiment cru que t'allais me la faire, toi, hein? Vraiment? Tu t'es dit que tu serais plus discret parce que justement, il n'y a plus de vent. Justement, quand c'est ouvert, je suis un peu plus prudent. Connard. Pourquoi il croyait que j'étais face à ça et pas face à la porte de tournée? Je l'ai pris un peu à cœur, ça. sinon. Pourquoi la porte est... Il y a un... Attends, quoi? Légende. Pourquoi il y a un cadenas? Porte verrouillée. Non, elle est pas verrouillée, la porte. Oh, comment ça se passe? On se casse. Ah! J'ai mal, Staz. Putain de merde. Ah. Il m'a pas vu, lui. Faisons en sorte que ça reste comme ça. Non, la porte est clairement ouverte. Préparez vos oreilles. Oh. Même moi, ça me détruit les oreilles. Ce passage, c'est incroyable. Allez, la passerelle maintenant, plus qu'un petit effort. Et après, on revient ici. Enfin, c'est une des destinations, forcément. Casse-toi. Rien à foutre des bruits, tu te casses. Voilà, ça va aussi. Regarde, vas-y, essaie de me suivre. Oula, ou petit truc de caméra. Mais vas-y, essaye de me suivre. Bonne chance. Pfff. Oh, il y avait des caisses au pôle médical, au fait. Je m'en rappelle plus. Comment la carte, elle fait, là, pour gérer ça? Ah, pas mal. Au lieu de... Je pensais que ça allait bugger, mais non. On est dans un cube. Ah! Non, mais putain! Non. C'est pas le médical, hein. C'est encore ce... C'est le pôle médical, hein. J'en suis sûr, le boule, la deuxième boule, là. C'est le pôle médical.
arriving at the bridge. Putain, une fois, le jeu s'est dit une fois ça suffisait pas. Sinon. On va confirmer le truc. Niveau 1. Il y a une porte niveau 3 que j'ai jamais vérifiée. Fuck. Attends, on est d'accord. Si c'est grisé, inexploré. Ça, c'est la morgue. Ça. Ah, merde. Je vois où c'est. C'est là où on a étudié l'échantillon de Harris. Là, c'est la nursery. Et là, il y avait une pièce niveau 3 ici. Je m'en rappelle. Donc il faudra retourner, dans tous les cas, au pôle médical. Même si c'est juste pour un point de force. Ah, il y a un autre truc là. Oui, non, là c'était là où on a cryogénisé pour la première fois Harris. Là c'est le bureau de... Là où il y avait le bait avec Nikki. Et là il y avait aussi une porte. Je pouvais pas encore y accéder. Ok. Et c'est tout. Il y a juste deux portes niveau 3 à l'aile médicale. Mais j'aime pas. On va devoir y retourner. Ça va pas être une partie de plaisir. Sans déconner. Ça va pas être une partie de plaisir. Garde la monnaie. Et là, le jeu, il sait que j'ai mon passe-partout. Il me met des trucs sur le chemin, ce fils de pute. Tu l'as pas vu arriver celle-là, hein. Putain. What the fuck. Plus effrayé par la direction sonore qu'autre chose. Là par contre ce serait mortel s'il y avait des rapides. Tu m'en mets 3 d'un coup. Là c'est la merde. Ok. On y est. Y a pas de vent ici. Ah non, ce serait trop simple. Oui. Accès limité. Nice. Méthode scientifique. Il me reste plus qu'à fouiller le quartier d'équipage. Ok. Mais maintenant, à part ça, on va faire une pause au niveau histoire. Et je vais refouiller littéralement toutes les autres sections que j'ai déjà fait. Pour vider un maximum, prendre les caisses avec le passe-partout. Et les portes de niveau 3 que j'avais pas encore déverrouillées. Comme ça, je serai serein et je sais que j'aurai plus qu'à progresser. Et que j'ai pas un truc dans le coin de la tête qui me dit qu'il faut que je fasse demi-tour à un moment ou à un autre.